What's up guys? Bienvenue encore sur le channel là. Si vous faites venir, j'aime toujours dire, non pas M. Oudelouza, mais c'est photographe, créateur de contenu sur le channel ça. Nous parlons d'un pile bagaille de photos, de vidéos, de conseils. En gros, tout ça qui a aidé à avancer dans le domaine photo, vidéo. Jodi a, après un pile demande, moi je vais montrer nous qui j'en, moi fait couleur dans photo mieux. Let's go! Ok, pour ça, pour que je switch sur ordinateur, sur Photoshop, parce que c'est là que je dit que je fais editing avancé. Pour moi, je vais vous faire ça et puis après ça, on apprend encore. Je vais regarder là sur Photoshop, là, je vais faire technique. Après, je vais faire des photos, je vais faire tirer et bah qui m'a tiré, like bouton, faire dodge and burn, tout ça. Et pas oublier que le dodge and burn est disponible si vous voulez acheter pour apprendre une technique, ça qui est vraiment une technique pour moi-même. Et quand l'infini dit toujours tout détail qui est vraiment nice et pas oublier vous pouvez contacter le numéro ça nous est sur flyer là pour nous acheter quoi. Ok, après ça ça me fait moi gagner pour me faire couleur après mes bagages toujours gagner deux balles tout faire. Bon c'est exemple couleur que besoin aujourd'hui à ces vidéos couleur on va le chita sur partie contraste là mais n'achète pas moyen. Ok, sous besoin achète pas moyen tout au cas dans la description ça me fait juste cliquer sur couleur là là. Ok, l'ingénierie palette, nous allons travailler sur l'IA qui tout gagne, tout bagaille gagne en dedans. Premier bagaille, moi servir avec color balance au café, couleur avec différents types de d'outils négatifs sur qui gagne sur Photoshop, gagne curve là, gagne color balance, gagne hue saturation, gion va les bagaille au café. So moi-même ça m'utilise le plus souvent c'est color balance là, moi activer comme ça. Mais pour une précision vraiment sur ça, m'bral fait ça me fait. Après dans color balance là, il y a en particulier les mid tone, highlight and shadow. Me créer premier layer ça de color balance là, et puis moi activer moi créer une sorte de masque et puis moi activer seulement partie highlight yo dans premier ça là et puis deuxième dans m'activer celle partie shadow yo. Côté noir c'est côté qui parle plus infecté. OK? Affecté pas infecté. Et puis là où tout non highlight là c'est regardez là nous highlight a plus sélectionné là so partie highlight a pas avec mi tout non pas plus affecté ça me fait maintenant color balance là et puis on va jouer ce qui mood moi veux bail photo wa. Avant tout on va faire on va me faire couleur sur une photo c'est le faire photo on va le qui ça va le faire là-dedans non moi faire photo depuis le dans commencement shoot là depuis le shoot là me dit OK mais qui type de photo me besoin mais qui genre pour moi shoot les m'a fait photo. OK, là on va chercher qui mood nous voulez bali. Après là, l'aime jouer sous mid tone là, OK? Nous shadow yo pas vraiment affecté, c'est plus mid tone avec elle attaque un petit peu affecté. Ça me va faire mal balot. Peut-être un petit ton vraiment chaude. Des cas dit. OK, on va compenser avec highlight là. Dans light là, on va venir pour mieux là tout jaune. Ça m'a fait un petit bleu dans la tête petit avant petit cyan. Si on fait before after là, cliquez before and after. OK, même pas venir dénaturer couleur pour le tout. Si on va retourner sur mid tone là, on va se retrouver jaune là-dedans. Donc rouge tout. OK. Bon c'est là là moi OK là, si on fait before and after. Quand on va travailler sur seulement je te dis shadow là. Shadow là pour ça moi aller directement dans shadow là là on pas travailler sur mine tune avec highlight là du tout dans shadow là qu'on y a me dit OK bon bay shadow là c'est un bleu qui vont tirer là dans tout petit on dit toi là OK pas de problème deux si on fait before and after noé shadow yo vient plus naturel et sur garde épaule on peut pouvoir vient pas être plus naturel qu'on y a que les tirer un petit peu ton négatif jaune qui est sous pouvoir. OK, en gros c'est comme ça me fait couleur dans photo mieux. Qu'il y a tout dépend de et vibe chercher à. Mieux la chercher à créer like by déco là en couleur qui différent de skin tone ce modèle là qui différent de grande partie négatif dans photo là. Mais moi qui choisi dit OK dans musa là m'a le musa bleu, moi crée un autre couleur. Parler encore sur un action pack, moi je travaille sur seul mien, je fais masse sur lui pour me faire gagner seul mien. Mais en gros, c'est comme ça que je fais couleur dans la photo.
Merci d'être prêt à prendre le temps de regarder la vidéo. Jean-Noël, je vais vous faire une photo sur. Pas qui aime faire photo. Qui j'aime faire couleur sous photo. Moi, pense que nous apprenons une technique. Moi, fait couleur. Bah, comme si, like, ce n'est pas vraiment. Je vais dire une bonne couleur qui est appropriée. Même si mon style moi qui entre en compte. Mais. Montrer nous basique là, montrer nous et me dit façon que moi-même fait qui j'aime moins bien plus contrôle ça m'a fait à m'espérer que nous t'aimer mes vidéos ça si nous t'aimer pas oublier mettre un petit like et puis mettre un commentaire en bas vidéo ça si nous t'aimer font l'autre vidéo pour nous son bah quel compte dans Photoshop nous t'a besoin connaître et pas oublier tout sous pourquoi abonner puis activer petite cloche en façon pour toujours jouer une vidéo là sortir pour abonner les gratis le petit bouton rouge ça qui en bas fait le kounia, ou pas regrette et n'apoué dans l'autre vidéo et avant d'aller pas oublier partager channel ça avec amis ou famille une façon pour tout le monde qui vient abonner pour une question gros audience ensemble n'apoué dans l'autre vidéo ciao.